petits potes, épisode un peu spécial aujourd'hui. Je vous emmène en voyage avec moi, on est en Corse. Alors nous sommes actuellement dans les labyrinthes secrets de la princesse Margot. Suivez-moi tout de suite pour une visite de Bonifacio. Ce village a été construit au XIVe siècle par la princesse Cunégonde, suivie de son chevalier fou, d'Ascanie. Il y a des travaux actuellement parce que nous sommes en rénovation fantastique depuis le 11 septembre. Je suis toujours à Bonifacio, je viens de faire une halte dans un bunker qui est à l'abandon. Alors on a quitté Bonifacio pour aller sur la plage je sais plus comment ça s'appelle. Rochapina. Ici je voulais voir ce trou là dans la roche, c'est incroyable. Thank you.
J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et j'avais super envie de vous proposer ce nouveau format. Donc, si ça vous a plu et que vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type-là, dites-le moi en commentaire et j'irai en faire avec plaisir. Pendant ces jours, il y a eu beaucoup de mauvais temps. J'ai dû me faufiler entre les averses, parfois me lever très tôt pour avoir la chance de capturer ces images. J'ai surtout visité le sud de la Corse. Donc, vous allez me dire, l'intitulé de la vidéo, c'est voyager en Corse et j'ai pas fait le nord. Mais j'y retournerai bien parce que j'ai vraiment kiffé et à ce moment là je vous ferai peut-être une partie 2. Cette chaîne ne sera pas juste un blog voyage, je vais bientôt reprendre mes vidéos d'urbex, donc je pars à l'aventure très prochainement et j'espère vous dévoiler les premiers épisodes d'ici janvier 2020. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et lâchez votre meilleur pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao.